nous avons profité des travaux de voirie pour faire en parallèle l'étanchéité de l'ouvrage qui franchit la roulée. À ce titre, nous avons posé une terre à nappe étanche pour éviter que les infiltrations d'eau sur l'ouvrage. Actuellement, nous sommes sur la phase terminale des travaux du mur de soutènement. Les travaux de finition consistent à mettre un parement brique sur le dessus du mur et à l'intérieur de la propriété, des plaquettes avec un enduit en tout ça. La phase finale de nos travaux, c'est la remise en état de la RD921. À ce titre, nous avons refait un enrobé sur environ 150 mètres linéaires. Et pour la partie trottoir, nous avons un béton vert qui est un béton drainant qui permet la circulation d'eau jusqu'au point bas. Dernier point, nous sommes très sensibles au département forcément en termes de sécurité routière. Après concertation avec Madame le maire d'Argueil, il a été décidé la création d'un îlot afin de réduire la vitesse en entrée de commune.